Yo, salut mes petits Mogi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review, double review des chapitres 532 et 533 de Fairy Tail. Petite review semi-live pour occasion. Alors, pour encore une fois bien expliciter, pour le 532 review classique, putain, ça fait longtemps pour Fairy Tail, et pour le 533, donc Reaction Live, voilà, plutôt que de faire une double Reaction Live, ça aurait été beaucoup trop long, j'aurais pas pu m'arrêter sur certains points. Surtout que pour le 532, alors vous allez voir qu'on n'a pas été déçus. Bon, j'aurais aimé faire une live reaction pour la fin, mais au moins ça va être l'occasion de pouvoir débriefer un petit peu tout ça avant de passer au 533 qui est. Ça va être dur de pouvoir faire mieux que le 532, mais on va voir tout ça en détail. Je m'excuse aussi pour le débit qui va être assez bas. Enfin, ça va paraître un peu bizarre, même si je vais booster le son à mort au montage, mais que directement, parce que oui, j'en refais un petit peu voilà, pour ceux qui se posent la question, pour les peaufinages. Et que du coup, voilà, parce que les chapitres sortent tard et que bah, on fait un petit peu comme on peut. Sur ces bonnes paroles, donc on va déjà traiter le chapitre 132 et je vous demande aussi de, voilà, vraiment de vous défoncer à fond déjà ce pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vraiment c'est hyper important, je ne le répéterai jamais assez et surtout de, voilà, de vous manifester dans les commentaires plus que jamais parce que la dernière fois, alors je ne sais pas si c'est le commentaire que j'avais mis qui vous avait pas trop motivé, mais là il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire donc défoulez-vous et encore une fois je lis tous vos commentaires donc vraiment n'hésitez pas. Du coup, par rapport déjà au début de ce 532, ce qu'on m'avait restitué la dernière fois aussi dans les commentaires, parce que c'était assez intéressant, donc déjà par rapport au titre de chapitre, voilà, qu'est-ce que ça pourrait désigner, à savoir « Je ne peux plus voir l'amour ». Après, la traduction elle est un petit peu selon, mais c'est un petit peu dans ce topo-là. On va comprendre assez rapidement que ça désigne à la fois Mavis et Zeref, et au-delà même de tout ce qu'on pourrait imaginer, ça aussi qui est assez ouf. Et surtout que directement, voilà, Mashima va décider de mettre le turbo. Enfin voilà, j'ai vraiment vu qu'il y avait... J'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu un gros coup d'accélérateur à la fin de 532 et que du coup bah, les deux phases finales, plutôt qu'on pensait dans un temps un coup Akdo, un coup ZH qui sera traité l'un après l'autre, non, les deux qui vont être traités en même temps et quelque part c'est pas plus mal. Voilà. J'ai envie de voir ce que ça va donner, surtout encore une fois avec ce que Machia, parce que ouais, je suis encore un petit peu sur le cul, mine de rien, ce qu'il a décidé de faire avec Zeref. Franchement, voilà, je pensais pas que ça prendrait cette tournure-là, notamment avec Neo Eclipse qui était mentionné. On pensait que ça allait pouvoir se faire, mais. On ne pensait pas qu'il y aurait cette étape intermédiaire qui, ma foi, je pense, va remettre pas mal de choses en considération, en question. Ouais. Reprenons donc ce 532 avec déjà le début, la première page couleur avec Zeref puis Mavis, leur petite rencontre. Bon, ça fait un petit peu, comment on pourrait qualifier ça, un petit peu coquinou, un petit peu pervers, mais bon, les deux avaient à peu près le même âge. Enfin, je veux dire, encore une fois, pas. Dans le fond, Zeref, non, vu qu'il était plus vieux que ça, mais voilà, par rapport à leur aspect jeune, tout ça, voilà, ça passait. Et surtout, bah, voilà, les deux qui s'étaient retrouvés, et surtout leur amour qui est à l'épreuve de. Ah, qui va être à l'épreuve de temps, à l'épreuve du temps, pendant l'épreuve de tout ça, et que surtout, dans ce monde, il n'y a que leur amour qui compte. Et on va prendre encore une fois conscience que cet amour va vraiment, encore une fois, plus que jamais être au centre du manga, au centre de ce chapitre. Ça va d'ailleurs continuer aussi avec d'autres pages cover. Aussi, il ne faut pas oublier que le Weekly Shonen Magazine donne beaucoup, beaucoup de covers. Je crois que ça fait 2 semaines d'affilée que Fairy Tail fait la coupe du Weekly Shonen Magazine. Et que d'ailleurs, pour l'occasion, il n'y a pas eu de Fairy Tail Memories pour le 532, ni pour le 531 la semaine dernière. Du coup, ce qui fait qu'on passe au Fairy Tail Memories 5, au Fairy Tail Memories 6, et qu'il y a 2 chapitres qui n'ont pas eu de Fairy Tail Memories. Donc ça rallonge encore une fois la longue tirade par rapport au message de fin de Fairy Tail Memories. Et du coup, bah, la fin de Fairy Tail aussi de facto. Tu vois, parce que je pensais qu'on en allait avoir 2 avec ce double chapitre. Au final, on n'aura eu qu'un seul. Et du coup, oui, c'est bien le N, vu que j'ai vu la page cover du 533. Mais on verra tout ça tout à l'heure. Et du coup, on va revoir un petit peu voilà, l'amour qui est assez important, chaud, brillant, toujours ensemble en attente, quoi, avec les différents couples qui sont composés, et qui sont, par la même occasion, aussi bien officialisés par Mashima. Donc, bah, Natsu et Lucie, voilà, plus besoin de. plus besoin, encore une fois, de le définir. Là, c'est clairement confirmé, surtout qu'après, voilà, on a le Groovia, on a le punais, j'oublie tout le temps comment ça va. Il s'intitule celui de Gadjil et puis de Lévi. Donc le Gadjil Lévi, tu vois, ou le Lévi Gil, tu vois, quelque chose comme ça. Bon, les puristes me corrigeront dans les commentaires. Pareil avec Elfman et puis notre cher Evergreen. Luxus et Mira Jane, officialisé, ça aussi, c'est un couple qui était dans les tuyaux et bah, c'est pas plus mal. Le Jerza, bien entendu, qui était attendu. Et par contre, alors voilà, je vous avoue que ça m'a un petit peu fait flipper, notamment bon, les deux derniers, quoi, qui sont plus symboliques, à savoir, donc voilà, Gildart, c'est plus canaf. Faut pas déconner hein, avec l'inceste, à moins que Mashima ait voulu faire une petite allusion histoire de déconner, tu vois. Et surtout, bah, Wendy avec Cheria. Seriously, vous êtes sérieux? Enfin, bref, voilà, c'était assez marrant. Et puis on va voir directement tout ça, on va reprendre un petit peu le schmilblick, mais surtout, vous avez bien compris au niveau de l'ordre, même s'il a gardé même ses rêves sur la fin, on fait les couples, et puis après, les relations importantes pour ceux avec qui on n'a pas pu trancher, même si bon, je continue de dire que Wendy avec Romeo, ça aurait pu être assez cool. Du coup, on reprend directement avec le début avec Natsu en mode Dragon Force. Déjà, la première page hyper bien dessinée, hyper bien, encore une fois, poignante. Et puis, prendre tout ce qu'on pouvait le voir au niveau des yeux. Ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, je mettrai le miroir.
pour la live reaction, mais là c'est pas vraiment utile. Et que surtout, bah, directement, là, Zeref qui lui dit que c'est inutile et qu'il aurait aimé justement qu'il devienne un dragon comme Aknologia. Alors est-ce que c'est peut-être un teasing happening pour les futurs chapitres? Ah, sait-on jamais, on peut toujours encore une fois y penser. Surtout, directement, ça je vous le développerai plus à la fin de cette review pour le 532. Mais que voilà, Zeref qui a un boost de power-up, si Natsu il a pas le sien dans la foulée ou qui arrive incessamment sous peu, enfin, il y aura une petite erreur dans le pâté, voilà, on verra ça aussi prochainement, mais je pense quand même que ça va pas tarder à arriver. D'ailleurs, déjà que Zeref puisse avoir son boost avant que Natsu puisse devenir vraiment N, c'était un peu chaud limite, là voilà, Mashima il peut plus reculer, il faut qu'il y aille quand même, il faut y aller, ou quand faut y aller, il faut y aller. Du coup, et attends, Natsu qui lui dit ouais, que lui se transformera jamais en dragon parce que c'est pas, voilà, c'est pas comme ça qu'il pense et qu'il n'est pas Aknologia, qu'il est humain, encore une fois, il le réaffirme et que c'était la volonté de son père, donc pas de leur père biologique et de Ygnir, voilà, encore une fois, faut le comprendre comme ça, autant comment tu veux le comprendre autrement. Et que surtout, directement, voilà, Zeref qui lui dit non, en fait, au final, t'es que N, les deux, là, qui vont se jeter l'un sur l'autre et qui s'apprêtent, encore une fois, là, à faire péter deux grosses attaques assez puissantes, et Mavis qui s'interpose entre les deux, alors elle va avoir la riche idée, je sais pas si on peut le qualifier comme ça, mais de s'interposer devant Natsu. Et non pas devant Zeref. Alors peut-être parce qu'elle savait que Natsu serait un petit peu plus compréhensif que ce dernier, mais bon, quelque part, voilà, Mashima qui a appris un petit peu des erreurs du passé, de ce qu'il avait fait avec Gray et avec Natsu quand ils avaient attaqué, que c'était Erza qui les avait bloqués, là au moins, voilà, il a arrêté l'attaque avant que les deux ne touchent Mavis, tu vois, même si ça aurait pu passer sur un malentendu, enfin voilà, on l'en aurait pas voulu pour si peu, mais au moins, il apprend un petit peu de ses erreurs, tu vois, c'est mieux vaut tard que jamais, comme on dit, voilà, ça sera la moralité par rapport à ce qu'il apprécie. Et du coup, bah, finalement, voilà, elle lui dit donne-moi une chance, laisse-moi juste parler avec Zeref, mais elle n'en aura même pas l'occasion vu qu'elle s'est mise devant Natsu. Et Zeref derrière elle, ouh, pédophile. Alors là, je rigole par rapport à ça. Du coup, bah, Zeref qui a en profité pour la choper par le chignon. Mon Dieu, que c'est élégant. Et surtout que directement, là, qu'est-ce que tu racontes, voilà, qu'est-ce que tu commences encore une fois à me casser la tête. Alors elle lui dit quand même qu'elle a des choses à lui préciser. Elle peut le sauver, elle peut arrêter justement son immortalité et briser encore une fois. Ce qui le dérange tant, quand on voit. Trouve-moi un méchant de manga, voilà, qui est immortel et qui voudrait renier son immortalité. C'est là justement qu'on prend conscience plus que jamais que Zeref, en final, n'est pas quelqu'un de mauvais. Et ça va être encore plus le cas dans la continuité par rapport à ce que Mavis va lui demander, et surtout ce que Zeref va être en train de mettre en place, en tout cas ce qu'on peut spéculer. Et plus que jamais, bah, à la fin du chapitre, on pourra le dire, je pense, après, voilà, prendre avec des pincettes, peut-être que le prochain chapitre, d'ailleurs, qu'on va voir juste après en live reaction, va me contredire, mais que Zeref n'est plus un ennemi à partir de ce chapitre et à cause du sacrifice de Mavis. Ça aussi, c'est une belle métaphore, c'est une belle symbolique, surtout que Mavis n'est pas encore morte, mais bon, voilà, elle a sacrifié quand même toute sa magie, mais que quand même, malgré tout, enfin voilà, le sacrifice n'aura pas été vain et aura apporté pas mal de choses et aura peut-être un petit peu aussi purifié Zeref d'une certaine manière. En l'occurrence, d'ailleurs, pour reprendre ce qu'elle lui précise, voilà, est-ce que tu as réfléchi une seule fois à la possibilité que tu puisses vraiment mourir? Et voilà, Zeref qui fait un constat assez amer, mais tellement vrai. Bon, c'est bien que ça permette de préciser, de clarifier certaines choses qui traînent depuis pas mal de temps et qui n'ont jamais été clairement explosées par Mashima. Là, au moins, il crève l'abcès. Il lui dit, c'est impossible, j'ai tout essayé, même End n'a pas réussi à me tuer. Donc, voilà, comme il l'avait dit avant, et puis on sait que maintenant, c'est encore plus impossible. Pourquoi as-tu aussi peur d'Aknologia? Du coup, si lui, il pourrait te tuer. Et il lui dit que même si je suis immortel, je suis incapable de terrasser Aknologia. Moi, le plus grand mage noir de l'histoire, je suis incapable, voilà, encore une fois, de venir à bout de ce que j'ai aidé à créer. Alors, je ne dis pas que c'est lui qui l'a créé, mais il a contribué, mine de rien, à sa création. C'est ça aussi qui est assez ouf. Mais que, voilà, manque de peau, bah, c'est un petit peu un cycle sans fin. Et le serpent qui se mord la queue, car je peux pas le détruire, et lui non plus ne peut pas me détruire. Donc, tu vois, encore une fois, l'opposition entre les deux. Et surtout, il lui rajoute, encore une fois, c'est là que tu prends conscience que Zeref, enfin, vraiment, pour moi, voilà, je n'ai jamais vraiment considéré comme un antagoniste, mais là, plus que jamais, quand il précise, c'est la fin de l'humanité, Aknologia va tuer tout le monde, et nous serons les seuls à survivre, il jouera avec nous. Nous torturerons, nous torturons jour après jour. Imagine simplement une réalité où nous ne mourrons jamais, toujours à souffrir, encore une fois, avec ce cycle, voilà, encore une fois, sans fin de ténèbres et de désespoir. Et Mavis, justement, qui interrompt, lui disant, mais il y a moyen d'arrêter ça, je connais le moyen de l'arrêter également. Elle lui dit Zeref, elle la laisse même pas parler, enfin, voilà, alors qu'elle avait très certainement aussi une bonne idée. Et du coup, Zeref, voilà, qui se jette sur elle pour accomplir un Neo Eclipse et lui retirer Fairy Earth, surtout quoi, là, maintenant il est à disposition, enfin, plus que jamais, tu vois, après le nombre d'opportunités qu'il a eu, le nombre de fois que les chances a été repoussé, c'est maintenant là qu'il en profite pour lui récupérer sa magie, et Natsu qui va rien pouvoir faire vu que ça va être pratiquement instantané. Alors on va avoir une petite aparté assez brève sur le Christien, qui continue d'être mis un petit peu en PLS, les membres de Pegasus aussi qui essaient de gérer à peu près ce qui se passe, surtout qu'il a perdu une de ses ailes, donc il va bientôt se crasher, et surtout bah, on apprend qu'Akno en fait il en a après eux juste par rapport à Wendy, voilà, si jamais fallait le repréciser, fallait le reclarifier, c'est juste Wendy qui intéresse vu qu'il faut qu'il terrasse tous les Dragon Slayer. Et là aussi d'une manière un petit peu détournée, Mashima nous annonce aussi ce qui va se passer prochainement, à savoir, bon, c'est vrai dans un premier temps ce qu'il est en train de mettre en place, voilà, avec les nouveaux pouvoirs qu'il vient d'obtenir, plus l'autre menace que Akno encore une fois considère
comme potentiellement dangereuse, car mettez-vous à la place d'Akno. Tu peux contrôler le monde, tu peux être le maître du monde. Tu vas faire quoi? Tu vas d'abord t'essayer de te débarrasser de ceux qui peuvent potentiellement te gêner ou qui peuvent avoir le pouvoir s'ils s'unissent de te terrasser. Donc ça rejoint encore une fois à ce que beaucoup, encore une fois, pensent depuis longtemps. Mais là, pour moi, c'est plus une confirmation, vraiment confirmée ici par Mashima, une officialisation, tu vois. Mettre la petite étiquette, tu vois. Approved by Mashima. Que tous les Dragon Slayer réunis, après plus d'autres facteurs, bien entendu, mais que ça, c'est un des plus, si ce n'est le plus important, peuvent justement venir à bout de ce dernier. Seulement, voilà, il faut tous les réunir. Ceux qui sont encore vivants et encore plus particulièrement ceux qui vont traverser la porte de l'éclipse. D'ailleurs, ça pour rebondir avec un commentaire qui avait été évoqué la dernière fois, à savoir pourquoi Anna a voyagé dans le temps alors qu'elle a un moyen de pouvoir le détruire. Donc, en l'occurrence, ici avec Neoclipse, pourquoi est-ce qu'elle a voyagé 400 ans dans le futur pour pouvoir mettre ça en place et elle avait besoin de Dragon Slayer alors qu'avec Neoclipse c'était juste réglé. Bon, je ne vais pas prendre la peine ici de développer en long, large, en travers, mais pour faire simple, Neoclipse s'est formé, si on peut le qualifier comme ça, avec justement la distorsion temporelle, et je pense pas qu'Anna l'avait anticipé que ça allait se mettre en place, d'ailleurs pour ça qu'elle l'a camouflé, et qu'elle a entendu le moment opportun et propice pour mettre en place. Et surtout directement, bah, vu qu'elle avait trouvé cette solution de Neo Eclipse, elle n'a pas voulu mêler les Dragon Slayer à tout ça, c'est pour ça qu'elle les a laissés vaquer à leurs occupations et vivre tranquille. Mais sinon, bah, l'idée de base, bah, c'était bien de pouvoir les amener dans le futur pour qu'ils puissent avoir un boost de puissance avec les Terriens, tout ça. Et qui puisse être en mesure de pouvoir terrasser Akno. Donc moi je pense que ça va être un mix des deux qui va pouvoir permettre de terrasser Akno, à la fois ce qu'elle avait prévu de longue date, donc 400 ans dans le passé avec le boost des Dragon Slayer, plus Neo Eclipse qui est une autre possibilité qui s'est présentée donc dernièrement. Même si bon, on a vu voilà, que ça n'avait pas marché la dernière fois, même si c'est vrai que voilà, le passage vers Neo Eclipse avait été bouché. Mais bon, je ne vais pas refaire tout le schmilblick, mais en tout cas c'est ce que je pense pour l'instant. Après voilà, peut-être que l'avenir permettra d'avoir un avis différent. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et du coup, pour terminer encore une fois avec ce petit passage sur Anna dans ce chapitre aussi, et le mal des transports de notre petite Wendy, c'est qu'il doit gagner du temps car il est possible pour elle d'ouvrir la distorsion temporelle, donc qui est propre, je pense, à Neo Eclipse, et qui d'autre serait plus apte à ouvrir une porte qu'une constellationniste. Donc voilà, le problème qui devrait pouvoir se régler, je pense, assez rapidement de ce côté-là. Enfin, après, on va voir si ça portera ses fruits ou pas. Et quelque chose me dit que ça va peut-être coïncider avec l'arrivée de Zeref qui, avec les nouveaux pouvoirs qu'il vient d'obtenir en fin de chapitre, va pouvoir. Désolé pour la répétition du mot, très certainement va pouvoir se déplacer encore une fois voilà. Là où se trouve le Krishna et puis Akno, et puis tout le monde, et peut-être réussir à rameuter toutes les personnes encore une fois qu'il faut. Ou alors ramener Akno plutôt à Magnolia, ce serait peut-être le plus simple vu que tous les Dragon Slayer sont sur place, à part Wendy, mais voilà, il y a encore une fois plusieurs possibilités et plusieurs optiques. Et Jalal aussi qui nous affirme, pour ceux que ça intéresse, qu'il va essayer de gagner du temps, donc comment est-ce que ça va lui coûter la vie? Mine de rien, voilà, ça aussi c'est peut-être le moment des sacrifices qui est arrivé. En parallèle de ça, on retourne quand même, malgré tout, sur le plus important dans ce chapitre, sur Natsu, Zeref et puis Mavis. Et surtout Zeref qui continue, alors malgré voilà, que Natsu ait envie de s'interposer. Ce dernier, quand même, lui énonce ses regrets, donc je vais le citer. Neo Eclipse, c'est un sortilège qui permet à une personne de recommencer sa vie une nouvelle fois. Je vais y revenir 400 ans en arrière, donc ce qu'il avait initialement prévu avec ce projet. Là-bas, j'ai une famille, un mignon petit frère. Encore vivant, qui n'aura pas été Frankensteinisé, zérifisé, si tu veux le qualifier comme ça. Je serai mortel et je pourrai enfin mourir comme n'importe qui. Ça me va me manquer encore une fois de ne plus te voir, Mavis. Et surtout, voilà, bah, directement, vu que s'il mourra encore une fois normalement, d'ailleurs, comme il le précise, s'il vit sa vie normalement et qu'il meurt normalement, bah, il ne la connaîtra pas, vu qu'elle arrivera des années dans le futur et que du coup, ça sera le seul regret qui lui restera. Et d'ailleurs, il ajoute que je suis sûr que tu seras plus heureux si tu ne me rencontres pas, quoi, qui confirme encore une fois cette volonté de réécrire le passé et de casser une bonne fois pour toutes, de rompre cet amour impossible, à dans tous les sens du terme, là, vraiment, on peut le dire. Je suis désolé, Mavis, et donc, voilà, Mavis, celle qui ne peut pas se séparer de cette dernière. Il ajoute quand même, mais je te promets que je ferai tout pour vaincre Aknologia une fois pour toutes. Je promets que je me battrai aux côtés de Natsu. Donc on vient voilà, au plus important, à savoir le twist, le plot twist voilà, qui était tant attendu, si on peut le qualifier comme ça, pour protéger l'avenir de l'humanité. Donc les frangins Dragnil qui vont combattre, ça aussi je pensais pour bientôt. Et surtout il termine en disant voilà, qu'il effacera ce monde. Donc mine de rien, on passe un petit peu du coq à l'âne. Alors certains vont peut-être y voir une incohérence. Moi j'avoue, voilà, il faudra peut-être attendre mon avis à froid pour pouvoir trancher de manière définitive. Mais entre le Zeref, ah voilà, ma liste est à moi, je pourrais récupérer Fairy Earth. Et là un Zeref qui est juste tout gentil en fait, ouais, qui a fait ce qui s'imposait mais qui veut pas faire de mal. D'ailleurs ma liste qui meurt pas à la fin. Ouais, ouais malgré tout il y a une petite incohérence. Enfin, voilà, fallait pas l'amener comme ça. Donc quand même, voilà, Mavis qui lui dira avant de rendre son dernier souffle, si on peut le qualifier comme ça, ne détruis pas ce monde. Voilà, donc voilà, fais encore une fois en sorte que tout cela puisse subsister, ne laisse pas tout tomber, voilà. Je ne veux pas le voir disparaître ce monde-ci, c'est le monde où nous nous sommes rencontrés et où nous nous sommes aimés, tout simplement.
Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elle tombe un petit peu dans les vapes, même si Zeref va un petit peu casser toute la dramaturgie. Ça aussi, c'est un peu dommage, toi, il aurait pu le mettre au début du chapitre d'après. Mais bon, c'est un double chapitre, donc Osef, mais tu vois, si quelqu'un voilà, décide d'attendre avant de lire le prochain, ainsi toutes mes erreurs sont effacées, ajoute Zeref. Donc voilà, un peu en mode aller à Jactarès, le sort en est jeté. Et donc il ajoute qu'elle ne va pas mourir pour l'instant, mais que vu qu'il a absorbé tout son pouvoir magique, tout Fairy Earth, enfin, simplement, elle ne sera plus capable de se relever. Et du coup, voilà, par rapport à l'alliance qu'il propose à Natsu, ça paraît un peu compromis. Et du coup, là, on est en train de le voir en train de préparer quelque chose d'assez spécifique. Donc, l'heure est venue, voilà. Et il fait un peu les sauts de Fairy Sphere. Je sais pas si vous avez aussi tilté comme moi. Donc, là, au moment où il précise Fairy Earth et qui l'absorbe justement tout ce pouvoir pour le faire ressortir et pour qu'il imprègne sa carcasse, si on peut le qualifier comme ça. D'ailleurs, on voit que la magie de Fairy Earth est en train d'illuminer tout Magnolia. Et c'est à ce moment-là qu'on voit donc le pouvoir, justement, magique infini, à savoir le pouvoir d'un dieu qui surpasse le temps. Il surpasse le temps, c'est-à-dire qu'il peut aller à peu près à gauche, à droite, comme il veut. Enfin voilà, franchement, putain, il pue le swag, il pue la classe, il pue le charisme, mais vraiment hâte de voir ça. Et du coup, je vais juste voilà, terminer avant qu'on puisse passer à cette live reaction sur le point vraiment pour moi le plus important, je pense. Natsu qui va pas tarder à se transformer en End, le mage, encore une fois, du temps infini, le mage blanc, le mage suprême, Zeref, qui maintenant est en blanc, et Natsu qui lui va être en noir avec les pouvoirs de End. Et encore une fois, ça fait le yin et le yang, ça fait pile et face, tu vois, ça fait. Ah, ça fait quelque chose qui a de la gueule et qui a du charisme, et surtout les deux qui vont combattre ensemble contre le dragon noir de l'apocalypse, tu vois, pour abattre la bête, abattre ce monstre, et que surtout les alliances du bien et du mal qui vont être nécessaires pour abattre l'incarnation, encore une fois, du mal qui menace ce fragile équilibre entre le bien et le mal. Ouais, putain, cette tournure de phrase, elle avait de la gueule, je trouve. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires, et sur ces bonnes paroles, on va passer à la live reaction. C'est parti. Et sur ces bonnes paroles, on est parti pour la live reaction du chapitre 533 de Fairy Tail. Donc, avec le Fairy Tail Memory 6, comme je vous l'avais dit. D'ailleurs, directement, là aussi, on va voir donc, la confirmation par rapport aux lettres, ce que je vous avais dit donc, précédemment. Donc, la lettre N, donc le message aussi qui continue, même si c'était écrit EN. Mais tu peux l'écrire, je crois, juste N, ça passe. Puis même le son N. Tu peux l'écrire EN, tu peux l'écrire N. Enfin, bref, t'as compris encore une fois le propos. Et du coup, ça reprend l'arc de bah, qui était vocalisé sur Loki, qui a donné encore une fois pour conclusion qu'il devienne un des nouveaux. Esprit stellaire de notre chère Lucie et Mashima. Voilà, alors juste voulais revenir sur ce petit point. Lucie n'a pas vraiment compris comment porter un Yukata. Lol, voilà. Allez, sur ces bonnes paroles, on est parti avec ce gros chapitre qu'on attend. Puplou aussi qui a fait son retour, même si bon, c'est un petit moment qu'on n'a pas vu, et puis il était présent dans Star que si. J'espère d'ailleurs qu'on le reverra d'ici la fin du manga. On l'aimait bien. Il aurait dû être la mascotte, mais bon, pile, il a pas mal remplacé. Enfin, il était plus la mascotte de Rey, mais bon, vous avez compris encore une fois là, la symbolique. Alors, Zeref, le mage blanc, ou retour sur Guildart, sur Kana. Qu'est-ce que c'était? Ça venait de la guilde, donc après la transformation, donc ouais, tout ce qui a été irradié. D'ailleurs, ouais, j'ai oublié de le préciser, mais oui, Zeref, le mage noir qui devient le mage blanc. Ça aurait été pas mal, tu vois, si ça aurait fait comme. Comment il s'appelait déjà? Ah, punaise. Rock du futur qui était à moitié blanc, moitié noir. Bon, après, certains ont rigolé au plagiat. Ouais, on a déjà vu ça avec Rock du futur, donc ouais, non, mieux vaut qu'il ait fait comme ça. De toute manière, il pue la classe comme ça. Alors, ça venait de la guide, et encore plus, comme je vous l'ai dit à la fin de la Rio précédente, s'il faisait la même chose avec Natsu qui deviendrait noir, et du coup, on aurait noir et blanc avec les deux frangins. Tu vas aller voir ce que c'était. Donc, le dit Guildart, ou c'est pas très prudent ça. Attends le vieux, et du coup, tous les autres qui sont en train de se pointer, donc Evergreen, Elfman, Fried, Luxus aussi, qui fait surtout. Oulala. Il est sérieux, Mashima, regardez Luxus! Non, mais arrête, il a jamais été aussi mastoc. Enfin, je veux dire, avec les épaules qui ressortent par rapport au reste du corps. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il est disproportionné par rapport à ce qu'on a vu d'habitude. Ou alors, il a pris de la masse en quelques chapitres. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu abusé. Et à contrario, je trouve justement que Guildart, alors, je sais pas, peut-être c'était la fourrure qui portait avant, tu vois, à Ned Stark, mais je le trouve moins stock. Bon, bref, c'est un petit détail, mais bon. Luxus, tout le monde. Donc, j'avais pas vu aussi les petites derrière. Il y a vraiment tout le monde, donc à Bixro. Alors, le premier a dit que nous ne devions pas nous approcher de la guilde. À quoi pense-t-elle? Ah, bah, par rapport à ce qu'elle a fait. Ah, j'avais zappé qu'il tenait le corps, encore une fois, tout chaud de Makarov. Ah, et puis Guildart, c'est Luxus, donc tu vois, le bel héritage, parce que c'est les deux justement qui devaient devenir les futurs maîtres de la guilde. D'ailleurs, la tête de Guildart, ça veut dire beaucoup de choses, tu vois. Franchement, c'est une petite symbolique, c'est peut-être rien pour vous, mais de rien, fallait le mettre en scène, ça. Même si je veux vraiment l'amener là-bas. Qu'est-il arrivé au dragon noir? On dirait que sa présence a disparu. Dragon noir aux yeux. Désolé, ça m'a fait un peu penser à ça. Alors, je l'ai vu à partir à la poursuite d'un vaisseau de Pegasus. Ça aussi, ça fait un peu penser à ça. Est-ce que Mashima ne rendrait pas un hommage à Yu-Gi-Oh! À travers ce chapitre? Avouez franchement que ça aurait de la gueule. Ils ont joué les appâts, ces gars, ce sont des vrais hommes. Encore une fois, Elfman avec ça, qui retourne encore une fois à ses discours d'antan. Et pour les autres, attends une minute, je vais les chercher.
Alors, attends, on va voir ce que ça va donner du coup. Alors, Wendy, Graissama, Erza, Lucie, Natsu, alors que ça correspond à aucun d'entre eux. Non, je rigole, bien entendu. Voilà. Jovia, puis Mira Jane aussi qui sont là. Avec Carla, Happy, donc voilà, s'il vous plaît, soyez prudents avec Panther. C'est qu'on n'avait pas vu depuis pas mal de temps, donc c'est bien aussi qu'on ait un petit focus sur eux, surtout que je pense pas qu'on va trop les voir, à part peut-être les Dragon Slayer, du coup. Donc Cobra, c'est aussi, c'était pas très loin. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Lucie et de Grace, qu'ils ont été affectés après avoir ouvert le livre de End. Alors, ah, c'était quoi ça? Ça venait tout droit de la guilde. Ah, alors non, c'était par rapport au souffle d'explosion, qu'ils n'étaient pas très très loin. Alors peut-être que c'est rentré en résonance avec les pouvoirs justement du livre de End, et peut-être que ça les a fait tomber par terre, enfin, pas inconscient non plus. Et que du coup, justement, par rapport aux lettres qui s'est évaporé, rappelez-vous, il y a deux chapitres, comme certains me le précisaient, que du coup ça allait venir vers Natsu, et que ça allait peut-être transformer sa enfin, accomplir sa transformation, l'achever. Ça aussi, franchement, ça va de la gueule. Lucie, tu vas bien? Ouais, mais pour ces lettres. Comme le précise Happy. Alors, on va voir ça tout de suite. On dirait qu'elles sont retournées dans le livre. Alors, mais que s'est-il passé? Une magie supérieure avancée qui lie les vies. Peut-être que la vie de Natsu est liée à ce livre par un sort. Donc, quoi, ouais, qu'il y aura peut-être moyen de le libérer, de rompre encore une fois l'enchantement, l'envoûtement qu'il y a entre. Enfin, le lien, en fait, qu'il y a entre Natsu et puis le bouquin. Alors, un, peut-être que si on peut réécrire ce qui est écrit dedans. Alors, attends, est-ce que tu veux dire réécrire toutes ces choses? Ça me rappelle un petit peu bah, l'arc du conte des barres, justement, avec les lettres, le fait de replacer les choses dans le bon ordre. Ça serait un bel héritage. Alors, attends, on va voir. Surtout que ce serait bah, un beau clin d'œil aussi avec le début du manga. Avec une seule page, toutes ces infos se sont diversifiées. Pourtant, tout compressé comme ça, je ne pense pas que c'était tout. Je suis sûr que quelque part, il y a une information que l'on peut utiliser pour sauver Natsu. Et justement, à contrario, je pense que si en remettant, pour reprendre encore une fois de symbolique des lettres, vu qu'elles sont retournées dans le livre, quand en les mettant dans un certain ordre, ça pourrait éveiller sa vraie nature de haine, tu vois. Il peut y avoir le pire, les deux extrêmes. Soit le pouvoir le libérer de cette entrave, pas tout jamais, soit le faire basculer en haine. Et je me demande si ça va pas être ça dans un premier temps. Ça serait logique quelque part, avant qu'ils arrivent à trouver la bonne solution. Tu vois, en essayant de trouver la bonne solution, bah, ils fassent encore pire que ce que justement était, ce qui était prévu initialement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On doit la trouver. Je suis sûr que c'est ce que nous devons faire. Alors, attends. Donc voilà cette fameuse solution. D'ailleurs, il y a autre chose aussi que tu dois chercher, Lucie, c'est la clé d'Aquarius, à moins que ce soit Anna qui l'ait. Ah, alors retour sur notre fameux Majo. Putain, mais il n'y aurait plus le charisme comme ça, Zeref. On le dira jamais assez. Avec la coupe de cheveux hérissée, donc quoi, ouais, qui est plus que jamais proche de celle de Natsu, qui justement voilà, bah, lui tire une de ses gueules après ce qu'il vient de faire à Mavis, et c'est combien normal. Premier, c'est inutile, lui dit cette dernière qui est encore en vie, encore une fois. Alors, je n'ai pas d'autre choix que de t'effacer. M'effacer, moi, lui dit lui dit Zeref, qui maintenant se sent plus pété avec le boost de pouvoir qu'il vient d'avoir, et peut-être que maintenant il pourra réussir à terrasser Akno avec ce boost de power. Qui d'autre se trouve ici? Quoi, le dit Natsu encore une fois, voilà, vraiment au premier degré. Alors, tu ne seras pas capable de le faire parce que j'en suis moi-même incapable. Ça va pas arranger ton problème pour l'instant, même si on sait que c'est la première étape de son plan. À moins qu'il ait changé d'avis après avoir obtenu ce pouvoir-là. Natsu qui concentre son poing ardent. Prêt encore une fois à bondir sur lui. Encore une fois, les dessins, on ne dira jamais assez, même si Mashima, voilà, il faut qu'il compte ses pages, mais il se fait vraiment plaisir pour nous donner des cases et des pages vraiment magnifiques avec. Un souci du détail vraiment hyper pointilleux, et pour ça, chapeau. Donc voilà, point d'acier du dragon de feu, en pleine face, franchement, regardez, une page entière pour ça, mais magistral, magnifique. Et du coup, on peut voir d'ailleurs sur la page d'après, là, que je découvre en même temps, ouh, punaise, regardez-moi la guilde, vraiment l'explosion qu'il y a eu, putain, mais ils vont la réduire ensemble, c'est pas possible. Alors directement, on va voir, encore une fois quand même, Mashima, là, qui... Bon, par contre, il faut énormément avancer le chemin public, contrairement au chapitre d'avant, c'est vraiment un chapitre qui est plus centré action. Putain, regardez-moi ça, il a encore une fois pété le mur. Makarov, il en aura encore posé une pêche pour ça. Et donc, et voilà, désolé le vieux, mais j'ai encore détruit la guilde, tu vois. Cette belle symbolique. Mais bon, ils la reconstruiront encore une fois. En même temps que Zeref. Mais tu crois vraiment? Faut arrêter. Alors, du coup, ah, tout est en train de se reconstruire. Et du coup, ouais, ah, maintenant, il contrôle le temps. Donc, ouais, je me disais, putain, contrôle du temps. Donc, ouais. Putain. Et du coup, quoi? Et du coup, voilà, de l'immatériel, après avoir été annihilé, il retrouve forme. Putain. C'est ouf. Là, il vient très clairement, encore une fois, de se hisser au-dessus de la concurrence. Il est revenu exactement comme il était. Ceci est le pouvoir de Fairy Earth. Le temps et l'espace m'appartiennent à présent. C'est un pouvoir absolu. On peut dire que c'est la magie qui dépasse toutes les magies. Pourquoi Mavis, elle s'en est pas servie? Putain, quand elle l'avait à disposition. Enfin, elle s'en est servie d'une certaine manière, mais pas autant qu'on aurait voulu l'espérer.
Elle est un véritable dieu maintenant. Alors, un pouvoir idéal pour en finir avec ce monde. Ouh lolo lolo lolo. Putain, je m'excuse, hein, je peux pas trop gueuler, putain, parce que je tourne assez tard. Si on pouvait le voir avec ce mode ASMR qui a pas voulu, mais putain. Il va te la transpercer, il va te le buter. Ou alors il va activer une bonne fois pour toutes sa transformation End. Putain, quel enfoiré. Alors qu'il avait dit à Mavis juste avant, ouais, je vais coopérer avec lui et tout. Mon cul, ouais. Il me reste une dernière chose à te dire. Tu n'avais pas à t'excuser auprès de Makarov parce qu'il est déjà mort. Oh le bâtard. Mais quelle ordure, mais quelle enflure, putain. Et du coup, bah bon, bah, je vais même sûrement me faire troller dans les commentaires par rapport à ce que j'avais dit dans le chapitre précédent. Ouais, c'est bon, maintenant Zeraphir est redevenu quelqu'un de gentil. Mon cul, ouais, putain. Putain, c'est ouf quand même. Et Natsu, ouais, qui, tout en quittant ce monde, voilà, pleure après ce que vient de nous dire Zeref. J'espère que tu le reverras au paradis. Non, mais quel enfoiré, putain. Mais quelle merde. Mais bon, voilà, avec ce que Lucie et puis, il faut pas trop vous en faire, avec ce que Lucie et puis Grey sont en train de faire, ça va sûrement se passer. Enfin, il va sûrement réussir, voilà, à le sauver. Au revoir, Natsu, putain. Une intention obscure et maléfique se transforme en un désespoir blanc qui teint le monde entier. À suivre dans le chapitre 334, la Terre promise, putain. Et bah, pari réussi pour Mashima, elle aura réussi à faire plus ouf que le chapitre d'avant dans ce chapitre 6, même si bon, on sait que ça va être une mort temporaire, mais quand même, hein. Je sais pas ce qu'ils ont dans le Weekly Shonen Magazine à buter leurs héros pour mieux les faire revenir après avec un petit boost de power en plus, hein. Ceux qui lisent un certain manga que je fais aussi en review et qui, et qui est dans le même magazine, voilà, pour en témoigner, putain. Surtout qu'en plus, les deux ont un pouvoir caché qui peut s'éveiller que après avoir. Que dans certaines circonstances, c'est assez ouf. C'est ouf, c'est ouf. Et l'intention obscure et maléfique, donc on va se transformer en un désespoir blanc qui teint le monde entier. Donc voilà, le blanc maléfique. Ce qui n'est pas se rappeler un autre perso de Berserk aussi, maintenant que j'y pense, pour citer les références. Et putain, Mashima, franchement, qui a su mettre la forme, ça, on peut pas dire le contraire. Ah là là. Et Brandicht. Ouais, c'était des petites pages colo qui sont en plus. Eh ben putain. La lecture aura été pour le moins rapide. Bon, on va essayer de débriefer un petit peu tout ça. Bon, je vous avoue que je suis encore un petit peu sur le cul, même si ça s'entend pas vraiment. Mais waouh, waouh, quand même. Putain, fallait le faire. Voilà, maintenant la question, ça va être comment réussir à le faire revenir, mais être crédible, tu vois. Même si certains disent, ouais, la crédibilité, Mashima, il l'a laissé. Il l'a laissé dans Rave, son ancien manga. Voilà, certains peut-être sont amenés à faire cette petite vanne-là. Mais ouais, non, quand même, il faudra trouver un minimum de cohérence, tu vois, qui pourrait passer. Bon, bah, je pense bien entendu à ce que je viens de me dire par rapport à Grey, et puis Lucie, et puis Happy, bien entendu. Mais je pense que ce retour va pas être sans contrepartie et que du coup, sa vraie nature pourra se libérer, je pense, à partir de cet instant précis. Et surtout, maintenant que j'y pense, faut pas oublier, rappelez-vous quand Natsu était en train d'être couvert par Lucie, de ça, fallait qu'il soit réchauffé. Il allait mourir. Et c'était cette mort qui allait déclencher l'éveil de End. Et là, bah, est-ce qu'en fait, Zeref n'a pas tout simplement mis ça en place pour mieux le faire revenir? D'ailleurs, il dit au revoir Natsu, adieu Natsu, mais il n'a pas dit adieu End, tu vois. C'est aussi, encore une fois, l'art de la tournure de la phrase et le choix des mots qui est hyper important. Et que du coup, on pourrait très vite, rapidement se retrouver avec un End dans les prochains chapitres. Du coup, voilà. La vraie question, ça va être de savoir comment Natsu va pouvoir réussir à reprendre le dessus par rapport à N qui maintenant va bah, totalement de champ libre vu que bah, Natsu lui aura, bien malgré lui bien entendu, voilà, mais elle aura cédé les commandes grâce à cette intervention assez bien trouvée de Zeref, qui en plus lui a bien transpercé je crois au niveau de l'abdomen, donc il a peut-être aussi arraché le cœur ou profondu le cœur, donc peut-être encore une fois un autre point qui va être assez important pour que la transformation soit totale, et que du coup, bah, maintenant là, je reprends un petit peu ce que je viens de vous dire par rapport à Lucie et puis Grey, qui eux vont peut-être essayer de trouver, de mettre en place le point, enfin trouver la situation pour pouvoir permettre à Natsu, bien malgré eux, hein, tu vois, ils sont même pas encore une fois conscients, je pense, de ce qu'ils sont en train de faire, mais pour pouvoir le libérer justement une bonne fois pour toutes de cette entrave, et surtout que voilà, qu'une fois qu'Ken aura pris le contrôle, qu'à la fin, bah, voilà, ce soit Natsu qui reprenne ses esprits. Ouais. Ça, franchement, ça serait assez percutant, ça serait assez judicieux, ça aurait de la gueule. Et surtout, bah voilà, encore une fois, quand tu vois le parcours et le cheminement qui a été fait en à peine deux chapitres, tu vois, avec un Zeref qui doutait de lui, qui disait ouais, c'est terminé, voilà, qui culpabilisait, tu vois, de pas pouvoir avoir la puissance suffisante pour pouvoir venir à bout d'Akno. Alors, je sais pas s'il peut le faire maintenant, mais au moins, il est plus crédible qu'il l'était avant, même si bon, il était déjà crédible qu'il était immortel, mais bon, t'as compris un petit peu l'idée. Donc, ça aussi, ça va être assez intéressant. Et du coup, bah, la grosse question, c'est qu'on peut se poser où se dirige-t-il? La logique voudrait dire, bien entendu, en direction de notre cher petit.
Actologia, que du coup, bah, ça va envoyer encore une fois très très lourd, surtout Kana est sur place, voilà, qui va pouvoir se passer des petites choses, même par rapport à la manipulation du temps, je suis en train d'y penser, il peut l'avoir buté, mais il peut décider voilà, de le restructurer, de le remembrer comme il vient de le faire directement avec lui-même, puis avec la guilde, tu vois, en lui donnant un avertissement, voilà, je te rends la vie sauve, mais directement maintenant, t'as plus le droit de moufter, t'as plus le droit de faire encore une fois ce que tu veux, et que t'as un terrain contre toi, de pouvoir réussir à reprendre, à pas faire de la merde, tu vois, tout simplement. Parce que tu vois, par rapport à la promesse qu'il a faite à Mavis, alors peut-être qu'il a attendu, voilà, qu'il lui a dit tant qu'elle était encore en vie et maintenant qu'elle est morte, bah vas-y, aux ailes de ma promesse. Parce que voilà, je trouve ça assez soupçonneux quand même. Donc voilà, ça a le mérite quand même, voilà, d'avoir titillé notre curiosité. N'hésitez pas encore à me dire ce que vous en pensez. Et l'ultime point que je voudrais évoquer par rapport à tout ça et par rapport à cette review et ce chapitre, même dans le manga dans son ensemble, je me demande si sur la fin. Après peut-être avoir terrassé Akno et s'être sacrifié, parce que voilà, je pense qu'à un moment donné, Zeref va aussi se sacrifier, que c'est comme ça, que tout ce bon va pouvoir trépasser une bonne fois pour toutes, que justement, Zeref, au moment en fait, voilà, où il trépassera, fasse une sorte de Riné Tensei, avec justement la magie de Fairy Earth, voilà, qui permet de modifier, voilà, un petit peu passer de comment on pourrait qualifier ça? Ouais, de remonter un petit peu dans le temps, et surtout de rendre les vies qu'il aurait prises, ça aussi, ça pourrait être assez intéressant, que du coup, certains des rares combattants qui étaient passés dans cette guerre, peut-être même des Sprinkles aussi, hein, ça franchement, ça aurait de la gueule, même si, bon, c'est pas lui qui les a butés, mais, putain, ouais, ça aurait de la gueule, ça pourrait faire ça, notamment vis-à-vis de Auguste, hein, bien entendu, mais ça serait pas hyper intéressant si lui et puis Mavis trépassent à tout jamais, à part si à la révélation, bon, on va pas trop épiloguer, mais en l'occurrence, pour Maquia, enfin, ouais, je titille, je pinaille, je chipote un petit peu, mais... Ah, ça aurait de la gueule, mine de rien, encore plus par rapport à ce qui a été déclaré, tu vois, le retour par rapport à Luxus et puis Guildhard, c'est surtout ce qu'il a déclaré à Natsu par rapport à la fin et puis par rapport à Makara. Enfin, je me demande si ça pourrait pas être assez intéressant. N'hésitez pas encore une fois, plus que jamais, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je vais arrêter de vous dire cette phrase. En tout cas, vraiment un chapitre que j'ai vraiment apprécié, enfin, deux chapitres dans l'ensemble, même si bon, voilà, par rapport le changement voilà, d'humeur assez rapide et encore plus, tu vois, on s'est encore fait douiller une troisième fois, tu vois, limite le Twistception de Zeref, on va le qualifier comme ça, je crois maintenant. Mais surtout, voilà, ça annonce du très 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 lourd par rapport à la suite et hâte de voir ce que ça va donner, surtout voilà, avec les chapitres qui ont monté crescendo, encore une fois, niveau intensité. Je crois qu'on était un petit peu redescendu au niveau des derniers chapitres, je vais pas vous mentir, voilà, avec cette course poursuite avec Yakno que j'avais trouvé un peu bof, même si bon, les révélations d'Anna étaient assez intéressantes, mais que c'était pas encore très percutant, c'était voulu, hein, bien entendu. Pareil avec cette histoire de Neo Eclipse qui sortait un petit peu de nulle part, tout ça. Mais là, franchement, là, Mashima, il m'a remis encore une fois sur les bons rails. Et là, il a fait ce qu'il fallait avec, que ce soit au niveau de l'animation, que ce soit au niveau des dessins, tout ça, au niveau du fight, même si bon, c'était plus un non-fight, on va pas se mentir. Et avec le boost de Zeresh, et vraiment hâte vraiment de voir ce que ça va donner, parce que là, ça annonce plus que jamais du très très lourd, surtout bah, dans ce climax. On peut le dire maintenant de l'arc final. Sur ces bonnes paroles, j'embrasse bien fort sur le pouce de la truffe. N'oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour, c'est hyper important pour la visibilité de la chaîne de la vidéo. D'activer les notifications pour être averti à la sortie de la prochaine vidéo, surtout de vous abonner. Plus que jamais, je compte sur vous voilà, pour ne rien rater, surtout voilà, qu'on puisse se hisser et aller encore un petit peu plus loin. Je vous jure que même maintenant, ça va devenir vital qu'on atteindra cet objectif des 10 000 abonnés. Voilà, de toute façon, je vous le dis presque dans chaque vidéo maintenant. Je vous ferai une vidéo encore une fois explicative dans pas très très longtemps. Et puis, directement, n'oubliez pas aussi le Tipeee si vous voulez me soutenir financièrement pour que vous puissiez me voir à la Japan. Sur ces bonnes paroles, moi je vous dis à la semaine prochaine, c'est la pression, nous salut à tous. Sound.